Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je sais lire. C'est la différence entre Ngossa et moi. Ngossa, c'est la différence entre toi et moi. C'est que moi, je sais lire. Et je sais écrire. Et je sais signer. Partager le direct. Atteignons 100 personnes. Mandiata Promas, bonjour. Atteignons 100 personnes. Je lance les voices. Vous allez écouter si dans ce voice, j'ai prononcé le nom de Lolo. Elle vient transformer les voices où elle dit que nous sommes combien? Nous sommes 72 personnes. Atteignons 100 personnes. On quitte ici. Comme Christian de Monanchele. Christian de Monanchele, tu viens. Elle n'est pas te sortir les faux captures, maman. Les faux captures. Il faut continuer à sortir les captures. Ngossa. Après demain, je vais passer au voice où tu as parlé mal de Monsieur Messang, où tu as dit que tu l'aimais. Je vais tout relater. Tu l'aimais en silence et tu voulais faire fuir. Tu voulais, comment dire, tu voulais déloger la star de son foyer, avant que je ne vienne le supporter. Je vous ramène au début de mon blog. Quand j'ai commencé mon blog, j'ai commencé sur la page ci-là. Parce qu'il faut que je reste sur les voix. Je vous montre d'abord sur la page sur laquelle j'ai commencé mon blog. C'est sur la page ci que certains d'entre vous m'ont connu. Sur la page ci. C'est sur la page-ci que certains d'entre vous m'ont connu. Partagez le direct. C'est sur la page-ci que certains d'entre vous m'ont connu. Alors, quand j'ai commencé mon blog, Ngrenga a commencé à partager mes directs. Écoutez très bien. Avant même d'aller soutenir, si certains d'entre vous sont honnête, vous allez dire. Ngrenga a commencé à partager mes directs quand j'ai commencé mon blog avec, comment elle s'appelle? Nous sommes 92, moi j'ai 92 ici là. La femme là. C'est aussi une blogueuse, c'est aussi une bassa. Quand j'ai commencé le framponnement avec elle, parce que en 2018, quand vous entrez dans ma page sur laquelle je suis connectée, vous allez voir en quelle année j'ai créé cette page. Donc ça date. Écoutez très bien. Vous allez voir, entrez dans ma page, parcourez ma page. Vous allez voir en quelle année, voilà, merci MST avec Perle que j'ai commencé le framponnement avant même d'aller supporter ma mère Lolo. Ngrenga me soutenait et partageait mes directs. Maintenant, Ngrenga me dit qu'elle avait un matin, avait une matin dans les réseaux sociaux. Quand je vais retrouver le nom de la matin là, Je vais poster le nom de la matin là. Ngrenga a commencé à me conditionner que je dois clasher les gens. Elle commençait déjà à me dire comment est-ce que je dois clasher. Les qui est-ce que je dois cibler? La mère de Bogos. Mbopi. Mbopi qui l'insultait auparavant. Elle m'a dit que clash Mbopi. Ngrenga. Vous allez écouter dans les audios. Et je lui dis que c'est vrai, Mbopi, j'ai même sur ma cabo parce que elle peut t'insulter de tous les simples injures, mais aller au-delà
d'insulter, de sidéienne et tout, moi, ça ne me plaît pas. Donc, Pumbopi, je peux la cibler. J'ai dit que, je lui ai dit que la mère de Bogos, la mère des Bogos, je ne la connais pas. Donc, c'est là où Ngrenga, Ngosa se fâche. Donc, c'est elle. Elle n'a pas fait les montages aujourd'hui que moi, j'ai causé avec Lolo. Elle peut témoigner, donc, si j'ai eu ce genre de conversation avec elle. Lolo est là. Bon, écoutez, atteignons 100 personnes, nous sommes 87. Je sais quand même lire. Bonakouan veut faire divers. Pardon. Partager. Nous sommes 90. Il reste 10 personnes. 100 personnes connectées, mais les voices. Pour vous dire que, Christian de Monaco, ce brouhaha que vous faites, c'est petit comme ça. Vous êtes petit comme ça là. Petit et je vous écrase. Et je vous écrase. Partagez le direct, mes gens. Ma page est à rouge. Je ne vous manque pas. Vous avez vu le direct tout à l'heure. Ils ont signalé. Jusqu'à Facebook a supprimé ce direct. Donc, partagez. Il y a les voices. Voici les voices, non? Voici les voices. Il y a les voices. Quand je vous dis qu'il y a les voices, il y a les voices. Il y a les vraies voices. Le TKO a déjà fait la même chose au couple, mais sans moi. Pour l'autre, là, essaye-moi, il me casse avec eux. Mon frère, nous sommes toujours à 86 personnes. Ou bien, comme ma page est bloquée, partagez, non. Ma page est bloquée, je ne vous mens pas. La page est restreinte. Ça bouge. Nous avons partagé, non. Ma page est restreinte. Il reste 7 personnes. La page est restreinte. Maman, je suis là. Je suis là. Écoutez. Ma fille d'amour. La meilleure moukolo. Mais bon, beaucoup, je m'en roule. Allez, on manque même respect. Quand elle est, je veux laver celle-là. Je connais même sa mère. Je connais tout, comment elle a fait pour arriver à Ronde. Car là, nous, bon, on est à port. Là, comment on calait, on nous respecte, mais. Voilà, le voit ici. Là où elle dit que Kale, on respecte les mecs, Kale, tu sais même comment elle a fait pour arriver à Rouen. Il y a une mère dans les réseaux. Je vais chercher le nom de la mère là. Je vais vous afficher la mère là, ici là. La mère là me dit que Ngrenga, c'est une mauvaise personne. Écoutez très bien. Elle dit que Ngrenga, c'est une mauvaise personne. La mère là m'avait contacté personnellement que je ne dois pas supporter Ngrenga quand je framponnais avec Perle. Avec Perle de luxe que vous connaissez. La mère là m'a dit que je quitte derrière Ngrenga. Chez moi, c'est 100 personnes qu'on est. J'ai commencé, non. La mère là m'a dit que je dois quitter derrière Ngrenga. Donc, voilà d'où sort le voici. Écoutez bien. Maman, on gagne les A. Les Mounjou, on met Longenga, Nonga, gagne les Yamé, moi même qui les soupe. Denga, ils sont là les plans, yes, Ike Longé. Ma personne, Aïe, qui voilà un congé, Mpera, Aïe, monte, ben solo, et maman, ben lavé, les mignons, je ne peux pas. Hey! Elle ne fait que m'appeler sur Messenger. Quand il y a un qui a un bon mot, il y 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 a un bon mot, un bon mot, il y a Cameroun pour un top 5. Non, Facebook, Facebook, c'est la magie. Écoutez, si vous écoutez le nom de Lolo quelque part, il est titre. Ah ouais, est-ce que est en vrai, ah ouais, qui maintient un message, mais comme ni, mais s'il y a les gens qui traduisent en bas, ça, pardon. C'est le mec coco. Mais enregistre, il y a un non, la femme là est trop peineuse, franchement. Les gens, là, au moment nordique, il y a un petit peu de longueur. Maman. Écoutez. A Ebio, a Ebio. Finché, yo.
Non, Facebook, c'est la dimension. On est qui est méta. Non, lui méta. Ok, ma pépé, mais quand même, mais y'a une jolie dingue moura, mais tu m'as aimé, mais tu m'as aimé, comme ça, et même quand elle est mieux, elle a aimé au tap tap scène, a aimé le yara Cameroun. Mais il a une joie, mais bon, mais tiens, joie, ma terre. Après, on l'a eu car joie, n'a Facebook. Donc, je sais qu'il y a les bassins parmi vous, pardon, traduisez. Mais, merci, mais. Coucou. Là, un grand bon direct. Bon, très attention. Calban, on l'a pédé. Écoutez bien, là où elle dit que je dois dire que Nkwandenge, quand elle m'avait, c'est elle qui m'avait envoyé clasher sous mon chic. Écoutez. Donc, voilà qui est direct. Donc, Kalban le PD, Bango Ibehala. Mais remarquez, Bango Ibehala, Bango Ibehala, Bango Ibehala, sorcier, Bango Ibehala, Facebook, Bango Ibehala. Voilà qui est direct, Yon. Donc bon, très attention, mais était le lien direct. Jimmy l'avait même partagé, on y est, il même partagé, il m'a calé. Donc bon, très attention, que la yépora. Caban l'a pédé, mais non, on a calé pédé. Facebook, on a calé pédé. Il est calé pédé. Il est bon, il est bon. On m'a réveillé, où il est bon, créé film, il est bon. Bon, très attention à nos Facebook ID. Aïe, on t'a dit tout ce que tu vas faire maintenant. On guette, fais très attention. Le mot sorcier, PD, les mots comme ça un peu vulgaires là. Ouh là là, il n'aime pas ça. Donc, cherche seulement les injures en bas ça ou en français, mais en autre largot, non, tu les bombardes avec. Eh, chérie, maintenant, nous. Là, c'est quand elle m'envoyait clasher saumon et mbopi. Écoutez, c'est là où elle dit que je ne dois pas dire les gros mots en français, que je dois les insulter en bassa. Vous avez suivi, non? Oh, mais non, non. Fatigué mal. Non, ma sister, on est bon. Coucou, Nindy, mais fatigué. Je suis fatigué. Même Flo me dit qu'elle est fatiguée. Elle a oublié son chargeur à l'hôpital là-bas. Donc, nous sommes là comme ça que c'est demain. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Écoutez. C'est demain que nous, mon travail. Aujourd'hui, on ne travaille pas. Je suis là, vous êtes fatigué. Alors que Thierry n'aime pas, il devait profiter même faire mon direct bien. Noël, il est parti dormir. Il devait profiter, mais pas grave. Il est fait demain. Mais quand elle est à maman pépé, maman, il contient mes pères. Il y aura bon, y a monétisation. Ah ouais, Facebook, ah, mais il y a rouge. Il contient le commerce. Mais quand elle est à moi, il n'y a pas de monétisation. Ou bien quand même, l'autre jour dans ton direct, le Benangon, non, c'était quoi que je t'envoie? Non, il faut faire attention. Surtout, il y a déjà une monétisation. Faites très attention. Il y a une monétisation. Il y a une pub, une tarbe. Une pointe. Donc, bon, très attention. Si vous avez le Facebook, vous avez le port, vous avez le port, vous avez le port. Si vous avez le gagne aussi, bon, très attention, grand port. Voilà, les gens, non, mais non, qui ont le PD, tu n'aimes pas quand on dit que tu es PD. C'est où ça, c'est le mot, alors que Facebook en Gouibi. Bon, très attention, oui. Mais le Seigneur va te délivrer, tu vas sortir des histoires des réseaux sociaux. Mais quand elle continue à prier pour moi que je sorte dedans, pour l'instant, je suis dedans, balle à ta pied, man. Soligné, Noré. Tu vas arranger un sourire, ma mère. Ouais, que. Il y a. Maman, ouais.
Ah bon bon, maman non a bien sola. Moi je ne sais même pas insulter. Mais quand les mecs ne n'aiment pas pinoire, alors y a un barouan oui, mais quand les jamais. Envoyez les cœurs non mes gens, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les voix. Il signale, vous signalez quoi? Vous signalez quoi? Donc, elle avait voulu remplacer ma mère avec toi, oui. Écoutez. Ouais, que, il y a ma mère, ouais. Ah bon, bon. Maman, non, elle est seule. Moi, je ne sais même pas insulter. Mais quand elle me brûle, elle est morte, non, ouais. Alors, il y a un baron, oui. Mais quand elle est jamais, zéro excuse, mais elle n'a même solnier. Qui m'a bien, mais elle n'est solnier, non, non, mais elle n'est pas. Mais il y a mon Facebook, mais il y a un noir. Avec la seule ou un qui voulait ou un n'y a ni bien un problème. Ah, mais il y a un seul, il y a un noir. Je vais traduire demain, je vais remettre les mêmes voix demain. Parce qu'il y a les Albanais qui volent, non. Il y a même les gens qui viennent ici, je les montre, il est bien, non, on a le marché de la nuit ici. Là où tu peux trouver. Parce qu'il y a les Albanais qui volent, non. Les gens là qui volent. Et ils ont organisé, même les Italiens, ils ont organisé demain, je vais un marché ici pour la nuit. Donc à partir de 2 heures jusqu'à 5 heures. Et les gens quittent là-bas en France, moi je les aide, je les amène là-bas acheter. Ma, on a comme il y a ordinateur, donc tu trouves les bijoux en argent, en or, moins cher. On te donne. Tu vas poser les mains sur la tête et te dire. Oui, mais on ne connaît pas insulter. On ne connaît même pas un peu insulter, je te jure. Marmaré, elle est maintenant qu'elle qu'on parle. Mais vite, il y a un cas, il y a non. Ça là, je ne la connais. Manuel Nounou, on va dire excuse. Elle dit que c'est comme ça que les graphies sont. Écoutez. Kakale, je m'excuse. Elle s'excuse par rapport à quoi? Quand elle est comme un peu loco. Mais vite, il y a un candiglé. Non. Manuel Nounou, on va dire excuse. Amal sol, mais. On va dire excuse. Elle a les graphies, baye. Non. En sol, mais après, alors, Kakale, je m'excuse. Elle s'excuse par rapport à quoi? Quand elle est comme un peu loco. C'est dans ma ville. Ah ouais, moi je ne comprends pas. Tu peux même insulter quelqu'un, voilà les trucs de simples injures, non? Jusqu'à dire que quelqu'un est malade, maman. Hey! Mais quand elle est là, il y a un soigné Facebook. Angela, elle n'a pas le nom. Nous, bon, c'est vrai, la mère de Bogos. Elle m'énerve à un point que, t'as dit, mieux encore, elle met une crème. Vraiment, même si elle va arrêter une jambe, qu'elle met une crème qui va un peu nettoyer sa peau, ça monte comme si elle est sale. Yeah! Sa peau ne montre pas, ce n'est pas propre, ça montre trop crade. Quand tu arrêtes une jambe, envoyez les cœurs, mes gens. Envoyez les cœurs. Je vous ai dit que je parlais. Ma relation avec elle était à part. Je n'étais pas dans sa team. Je n'ai jamais été dans sa team. Ma relation avec Ngossa était à part. Nous, bon, c'est vrai, la mère de Bogos. Elle m'énerve à un point que, t'as dit, mieux encore, mets une crème. Ce n'est pas propre, ça monte trop crade. Quand tu arrêtes une audience, c'est les gens qui signalent mon direct. Non, c'est pas beau. C'est les gens qui signalent mon direct. C'est les gens qui signalent mon direct, mais il y a le volume.
Voilà. Non, bon, c'est la mère de Bogos. Elle m'énerve à un point que, t'as dit, mieux encore, elle met une crème. Vraiment, même si elle va arrêter une jambe, qu'elle mette une crème qui va un peu nettoyer sa peau, parce que ça monte comme si elle est sale. Yeah. Sa peau ne montre pas, ce n'est pas propre, ça montre trop crade. Quand tu arrêtes une jambe, même une crème qui va faire un jas là, non, c'est pas beau. Yeah. C'est pas du tout beau. Ça là, je ne la connais même pas, mais je ne connais même pas le nom de son mur. Je ne suis même pas les filles là, vrai. Celle-là, je ne suis jamais même allée dans son. Je ne connais vrai, je ne connais. C'est quand elle m'a envoyé clasher la mère de. Ouais, mais Jean, envoyez les cœurs. Vous signalez pourquoi? Hein? Vous signalez? N'est-ce pas, vous avez dit que vous avez le cœur? C'est le cœur, hein? On ne fuit pas. Hmm? Moi, si j'ai dit quelque chose dans cette voix-ci-là, je prends mes responsabilités. Hein? On ne fuit pas. Taguez Christian Mounanchele qui vient écouter sa patronne là où elle m'a envoyé clasher. Quand j'ai dit niette que je ne connais pas la mère de Bogos, je vais aller la clasher que je connais quoi sur elle. Hmm? C'est d'où sa haine sort. Je coupe, je relance le direct demain. Hmm? On dit que je coupe, je relance le. On dit que je coupe, je relance le direct demain. Si vous êtes d'accord, je coupe, je relance demain. Si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis ici là, bango, bango. On écoute. Hmm? Si vous attendez que je parle, je prononce le nom de Lolo quelque part et je vais vous dire d'où sortent les captures d'écran là. Hmm? C'est Christian Mounanchele. Tu pensais venir me menacer avec les voix ici? Les voix ici, maman. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez mal. Hmm? J'ai le cœur pour ça. Je dis que j'ai le cœur pour ça. Hmm? Toi, Ngosa, tu m'as envoyé clasher la mère des beaux gosses. Jusqu'à m'envoyer même chercher sa page que si tu attrapes sa page sur TikTok, tu vas m'envoyer comme ça, je tape sa page. Tu vas faire la capture comme ça, je tape sa page pour aller la clasher. Hmm? Ngosa. Mandiata. Hmm? Il a fait un post que Lolo t'envoie insulter où et quand. J'ai dit que je vais vous dire d'où sort les captures là parce que c'est elle. C'est quand j'ai refusé, écoutez très bien, c'est quand j'ai refusé d'aller clasher la mère de Bogo. J'ai dit que dans le voice même, vous écoutez comment je lui dis que je ne connais pas la mère de Bogo. Celle-là, je ne la connais pas. Je ne t'ai jamais entré dans... Je ne la suivais même pas. Je vous jure. Je ne la suivais pas. Je ne connaissais pas la mère de Bogos. J'ai dit à Ngosa que la mère de Bogos, il dit qu'il a les voix de Lolo Akalesa. Qui met? C'est toujours les trucs, les... Je n'ai jamais... J'ai dit que... Qui met? Qui les laisse? Le chantage ne va pas avec moi. Quand quelqu'un veux me faire chanter, je viens, je t'affiche. Moi, le chantage ne va pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Tu veux me faire chanter, je sors et t'affiche propre. Et ça ne chauffe pas. N'en déplaise. Oui. N'en déplaise. Bonsoir, ma mère. N'en déplaise. Quand quelqu'un veut me faire chanter, je viens, je t'affiche. Et ça ne chauffe pas. Tu m'as envoyé clasher la mère de Bogo, je t'ai dit que hmm? C'est pas ton compte, maman. J'ai moi dit que ce n'est pas ton compte. Je n'ai moi jamais causé quoi que ce soit avec toi. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une envahissante, comment envahisseuse des gens. Jamais. Ngosa, c'est toujours toi qui m'appelais. Ngosa, c'est toujours toi qui m'appelais. Merci Linda. C'est toujours toi qui m'appelais. D'accord? Toujours toi. C'est toi qui voulais tous les services. Toi, Ngosa. Jusqu'à je t'ai invité, je t'ai indiqué le marché noir qui est ici chez moi. Hmm? Toujours dans le faux. Toi, Ngosa, c'est toi qui m'as envoyé. Tu m'as envoyé clasher trois personnes quand j'ai commencé mon blog.
Oui, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand j'ai commencé mon blog, toi, tu m'envoyais clasher trois personnes. Toi, en gros, ça. Nous, on serait la mère de Bogos. Elle m'énerve à un point que, t'as dit, mieux encore, elle met une crème. Vraiment, même si elle va arrêter une jambe, sans qu'elle mette une crème qui va un peu nettoyer sa peau, ça monte comme si elle est sale. Sa peau ne montre pas, ce n'est pas propre, ça montre trop crade. Quand tu arrêtes une jambe, même une crème qui va faire un jas là, non, c'est pas beau. C'est pas du tout beau. Celle-là, je ne la connais même pas, mais je ne connais même pas le nom de son mur. Je ne suis même pas les filles là, vrai, vrai. Celle-là, je ne suis jamais même allée dans son. Je ne connais, vrai, vrai, je ne connais. Jodile, la mère des beaux aussi, Facebook. Je ne peux même pas me plaindre, mais je la cherche un peu. Ma pépé m'a retrouvé bien, mais même la mère des beaux gosses. Mais t'as bien aimé. Je dis en bas ça que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé parce que je ne la connais pas. Moi alors, bon, je ne sais pas. En fait, qui m'a dit que Facebook a un tarbe meha. Un tarbe ha. La mère des beaux gosses. Voilà un tarbe meha. Donc, qui m'a dit que bon, Facebook non, l'actualité, et puis du coup, il pas meha. Donc après, même qu'il y a TikTok, même Bingé. Donc, je m'ennuie un peu. Ouais. Maman, pépé, même quand les hommes, ils ont un goût, non. Tout. Bon, ici, là, elle me demandait les trucs. Il y a tout, mais elle énerve l'Italie avec la sable, avec les bons trucs. Donc, tout ce que tu auras besoin ici. On ne me tient pas au chantage. Moi, on ne me fait pas le chantage. Hein. Jamais. Coucou ma fille, bonjour. Appelle-moi urgent, s'il te plaît. Appelle-moi urgentement. Quand tu as mon message. Calme-moi ou bien je vais t'appeler dans la journée là. Coucou ma fille, appelle-moi. Coucou, bonjour ma fille, bonjour. Dis-moi, ce que je t'ai renvoyé là, c'est quoi? C'est les compliments alimentaires? Elle n'a pas, elle n'a pas demandé. Mais bon, déjà. L'avancée, Yoma Butaline, Butatium. Donc, je ne sais pas si c'est la même, presque la même chose. J'ai lu. Donc, Menkale, ou Edme, Tenga, ou Edme, Yoma Yom, Yoma, Ongoum. Tu m'envoies le lien et moi, je partage en fait. Donc, Kaleme, ou bien je vais t'appeler dans la journée là. C'est la fin des voices. Vous avez suivi le nom de Lolo que j'ai cité. J'ai prononcé le nom de Lolo quelque part. Hein? Voici le dernier voice. Bon, les enregistrements, c'est autre chose. Les enregistrements téléphoniques. Gringa, je t'invite de venir mettre. Voilà les voices que tu as dit à Christian de Monaco, que tu avais les voices, mes voices où je parlais de Lolo. Voilà ça. Vous avez suivi que moi, Monica, j'ai prononcé le nom de Lolo quelque part. Ngrenga a escroqué une femme dans les réseaux sociaux. Je ferai intervenir cette femme. Elle a exposé, quand j'ai commencé mon blog, en la supportant, allez sur ma page que je vous ai montré là quand j'ai commencé mon blog. C'est là où la femme là me contacte quand elle voit que je mettais les photos de Ngrenga là-bas. Ngosa. La femme me contacte et me dit que ma fille, tu es encore jeune. Ngrenga a escroqué mon argent que jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne veut plus me rembourser mon argent. Achille est témoin de cette affaire que Ngrenga a escroqué une femme. Elle a escroqué une femme. Pas au Cameroun, ici, en Europe. Joue en cours, ma mère. Connexion en cours. Allô. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma mère. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont connectés là. Bonsoir. Bonsoir, écouter. Ma mère. Je voulais répéter. Je suis entré dans ton live parce que on m'a fait voir le collège. Je tenais à préciser ici que ce n'est pas moi. Le compte là, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais créé. J'ai deux profils Facebook.
J'ai l'or, Lolo Fodjambiaï, j'ai Lolo Fodjambiaï, c'est tout. Donc c'est un faux compte. Peut-être que t'avais pigé avec, c'est pas moi. Voilà. Et c'est vrai, je dis que c'est vrai. C'est quand j'ai refusé d'aller lâcher la mère des beaux gosses. Et dans le voice, je le dis que je ne le connais pas. Et je ne la connais pas autant pour moi. Elle m'a envoyé clasher la mère des beaux gosses. J'ai dit que je ne la connais pas. Jusqu'à aller sur TikTok, comme elle ne voyait plus sa page sur Facebook, elle allait sur TikTok. Capturer la page de la mère de cette femme pour venir me montrer, pour que je tape sur Internet, je ne vais pas la chercher et je ne vais pas la clasher. J'ai dit non, que je ne la connais pas. Qu'est-ce que je vais aller dire sur elle? C'est là où elle commence à me tendre les pièges. C'est Nguenga et sa clique qui ont créé ce compte pour venir. Et je vous avais déjà dit ici que j'avais parlé de ça avec la maman. La maman là en Belgique, la maman là que Nguenga a escroqué. La mère là m'a dit que c'est Nguenga qui est derrière le compte là. Et le compte là était que quand je suis au boulot, c'est là où il m'appelle. Je veux prendre le téléphone, personne ne parle. Je rappelle, personne ne parle. C'est Je Gringa. suis encore dans le direct. Parce que j'ai Emma. Je suis encore dans le direct. Oui. Bon, la partie où elle a mis le voice avec les graphismes comme ça, j'aimerais que tu le mets encore la partie là. Attends, je cherche ma. Facebook, c'est la dimension. On est un métal. Non, je m'étais. Mais quand à un moment, peut-être. Chérie, maintenant, je ne sais même pas quelle. C'est mal. C'est vrai qu'on dirait coucou à Nindy, mais elle est fatiguée. C'est fatigué. Même si on me dit qu'elle est fatiguée, elle a oublié son chargeur. Et puis, elle là-bas. Donc, nous sommes là comme ça. C'est demain. C'est demain que nous, mon travail. Maman. Je ne travaille pas. Et c'est la voiture fatiguée. Alors que. Ok, ma pépé, viens car, viens jolie. Coucou. Un grand bon direct. On fait attention, car on est pédé. Elle est Kwandenge. On est quand elle est pédé. Mala Kiro est direct. Elle dit ça, elle dit qu'elle doit dire Kwandenge pour Bertrand Chic Saumon. Que Bertrand lui avait manqué de respect. Écoutez. Donc, Mala Kiro est direct. Donc, car on est pédé, on est pédé. Mais remarquez, je suis venu à la PD, je suis venu à la Je ne sais même pas sur quelle voix c'est, ma. Je pense que c'est le voix ici. Ils m'ont très attentionné, nos Facebook a été, bon, ma personne, un grand import. On t'a dit tout ce que tu vas faire maintenant, on guette, fais très attention. Le mot sorcière, pédé, les mots comme ça, un peu vulgaire là. Ouh là là, il n'aime pas ça. Donc, ça laisse moi les injures en bas ça, ou en français, mais en notre largo, non, tu les bombardes avec. Kéline n'aime pas les deux, profitez même très mon direct. Bien, Noël est parti dormir. Marie, bien quand même. Non, il faut faire attention. Surtout, surtout, il y a déjà une monétisation. Faites très attention. Il y a une monétisation. Il y a plus une tarbe. Vous pointez. Donc, bon, très attention. Sur le Facebook. Au report, il dit qu'il va chercher les enregistrements. Où est ce mot de Mpumkena? Tu vas voir. Voilà, Léana, non, maintenant, Kinka, le PD, tu n'aimes pas quand on dit que tu es PD. C'est où ça, c'est les mots, alors que Facebook, en gros, dit. Bon, très attention. Oui. Oui, j'ai vu cette page-là. Maintenant, les babouches, j'ai vu les robes là que tu vendais là. On a même brûlé nous, même. On a la même, on a même la somme, camion. Vous avez le bon cri là-bas là. C'était ma fille, ma mère là. C'était ma mère quand elle dit, mais ma mère, elle est. Grand point, ma mère là, non, quand elle dit, le Seigneur est. On rend gloire au Seigneur, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur. Un bon, mais une phrase sans dire Seigneur, c'est. Manuel Magmac, aïe, il querait prier, non? Hé! Aïe, prier. Mais le Seigneur va te délivrer, tu vas sortir des histoires des réseaux sociaux. Mais quand elle continue à prier pour moi, que je sorte dedans, pour l'instant, je suis dedans, va la taper, man.
Oui, mais on ne connaît pas insulter. On ne connaît même pas un peu insulter, je te jure. Marie, elle a maintenant qu'elle est qu'on parle. Mais vite, il y a un cas en anglais. Non, Manon, non, non. Amal, j'ai excuse. Amal, seul, mais. Robar, mais excusez. Elle est graphie, maïe. Non, en seul, mais après, alors, quand elle est, je m'excuse. S'excuse par rapport à quoi? Ça n'aide un peu le coup. Ça le voit, ça, non? Je disais que coupe un peu la partie. J'ai toujours dit que cette fille est venue dire ici là que c'est Messan qui était tribaliste. C'est elle qui la tribaliste. À chaque fois qu'elle dit qu'elle est une graphie, mais si on dit qu'elle est quoi, c'est une fille qui est très dangereuse, mais tu vois. Donc c'est comme si elle est dans le perd dans le noir. Et c'est mon nom. J'ai dit que Dieu va Gossa, Grenga, mon petit frère que tu as souhaité le malheur là. L'enfant là, son père est mort, il avait 8 ans. Il n'a jamais, je dis jamais, il a un BTS en ressources humaines. Tu sais que tu as prononcé. Sa mère est morte. Il a commencé l'école, il n'avait jamais repris une classe. Sa mère est morte, il faisait terminale. Il a échoué son bac pour la première fois de l'histoire. Parce qu'il a eu du mal à se détacher de sa maman. Tu t'assois dans une Facebook, une histoire qui ne te concerne pas. Tu viens, tu t'assois, tu demandes. Qu'on doit arrêter un jeune Camerounais qui n'a rien à y voir parce que tu es dans la haine. Voilà aujourd'hui, l'année dernière, vous avez passé votre temps à m'appeler la ténébreuse que je perds dans le noir. Ça fait plus de 3 fois qu'on te voit sortir dans le noir. Tes voix dans le noir avec Coco. Voilà aujourd'hui. Sortez-moi. Vous êtes parti créer le faux compte là. J'ai dit bien, je n'ai jamais le compte. Laisse-moi finir, maman. Laisse-moi finir parce que moi, je vais te dire quelque chose. Le compte n'a jamais été moi. J'ai 2 comptes dans Facebook. Et j'ai eu à créer un 3e compte. Lolo, faut y avait 2 O. J'ai même perdu le mot de passe de ça. Lolo, je n'ai jamais, j'ai dit, mais jamais au grand jamais, causé avec quelqu'un, créer un compte Lolo Lor. Jamais au grand jamais. Donc, je vais te dire quelque chose que Monica Chase, moi, je ne savais pas que tu causais avec Goussa. Parce que quand j'écoute les voices, ça veut dire que pendant que je parlais avec toi, tu parlais avec Goussa. Je sais pas ce que vous avez planifié comme plan. Parce que elle dit bien que Flore dit qu'elle est à l'hôpital. Ça veut dire que l'année dernière, qu'elle s'est réconciliée avec elle, t'avais Flore. Tu parlais déjà avec moi. Je t'écoute, ma fini de parler. Oui, c'est que ça veut dire que l'année dernière, l'année passée, quand elle commence, elle parlait avec Flore. Elle dit dans un boy que Flore dit aussi qu'elle est malade. Ça veut dire que tu parlais avec elle. Elle t'a donc peut-être envoyé nous espionner, je sais pas. Ce qui se passe. Les voices là, c'est les voices de depuis quand j'ai commencé mon blog. Je n'étais même pas encore avec toi. Est-ce que tu comprends? Je te soutenais, mais je ne causais pas avec toi. Pas du tout. Je peux compter le nombre de fois où toi et moi, nous avions causé ensemble. Donc, toi et moi, on n'a jamais même. WhatsApp. Voilà. On n'a jamais causé. On n'a jamais parlé, toi et moi. Non, je précise bien que parlé, on a parlé sur WhatsApp, on n'a jamais causé sur Messenger. Moi, je parle voilà. Sur Messenger difficilement. Donc, je parle. Voilà. Et je dis donc que la haine de Ngossa, non, sur moi, quand je ne comprends pas quand elle dit que quand Flo est malade, c'est que quand elle parlait avec Flo, elle parlait avec toi. Donc, quand tu classes Flo, elle savait que tu parlais. Les voices sont embrouillées. Les voices sont embrouillées, ma. Je t'ai dit que j'ai. Quand tu classes Flo l'année passée, elle parlait avec toi, non? Elle m'était amie avec Flo, non? Parce que je vois bien qu'elle dit. Oui, elle parlait avec moi. Elle m'a envoyé les messages. Elle parlait avec moi. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui était venu me dire que fais attention à Monica Jess parce qu'elle parle avec compresseur au téléphone. Je t'avais dit ça. Mais parler avec quelqu'un veut dire quoi? Non, mais je t'explique. Toi, tu peux être en contact. Je t'avais dit ça à toi. Qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que tu parles avec Ngosput. Bobo illettré. 2 plus 2 = 23. Elle m'avait dit, je t'avais dit ça à toi. Ça, c'est les conversations si c'est de 2022 ou 2023, ma soeur. 2022. On causait déjà toi et moi en 2022. Je ne parlais plus. Quand j'ai commencé à te soutenir, je ne parlais plus avec Ngossa. Elle s'est fâchée. J'ai commencé mon blog avant de venir te soutenir. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Non. Non. Non, comment, maman? Va regarder mes directs, non. Entre sur l'autre page, j'ai commencé. Attends, mais on ne te connaissait pas, ma. Tu n'étais pas connu. Tu faisais les directs comme oui, ça. Oui, je n'étais pas, voilà, pas connu, mais j'avais commencé. Tu fais les directs comme
Quelqu'un peut le dire avec son profil. Tu ne peux pas le dire déjà que tu es une blogueuse. Non. Pour être une blogueuse, il faut que tu t'es accroché sur quelqu'un. Tu ne peux pas venir comme ça être blogueuse du jour à la demain. Attends que je teste. Jamais fait un blog pour dire Ngosa. Ngosa speech. Jamais j'ai vu ça. Attends, ma. C'est là où la personne m'a dit. C'est parce que tu ne me connaissais pas. Ouais, ma. C'est parce que tu ne me connaissais pas. Quand j'ai commencé mon blog, je l'ai expliqué. Quand j'ai commencé mon blog, Ngosa partageait mes directs. Toi, tu ne me connaissais pas. Tu m'as connu dès lors où je suis sortie sur Mboum Kena. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand j'ai commencé à faire mes premiers directs sur Mboum Kena, c'est là où tu m'as connu. Mais tu ne me connaissais pas avant. Moi, j'aime être clair. Tu ne me connaissais pas avant. Donc, avant de venir te soutenir, je faisais déjà mes lives. Ngosa partageait mes lives. Toi, tu ne me connaissais pas. Parce que je n'étais pas encore dans ton camp. Non, je ne moi, te soutenais pas même, encore autant pour moi. Je connais quand même les gens qui soutiennent Gosput. Hein. Je connais les mots. C'est quand non, Marc, tu ne... On ne te connaissait pas, en gros. On ne te connaissait voilà. pas. Elle n'avait pas encore fait bien connaître. Voilà. Tu n'étais pas, je n'étais pas encore dans pas un encore... gros scandale. Tu n'étais pas encore dans un gros scandale. Voilà. Je n'étais pas encore bien connu. C'est quand j'ai commencé à te soutenir, sortir sur Mboum Kena que les gens se sont, voilà, les gens ont retourné leur regard vers moi. Donc, j'avais déjà commencé mon blog et fait ma guerre avec Perle de Luce. Je faisais déjà les clashs avec Perle de Luce. C'est seulement toi, tu ne me connaissais pas, non, mais je t'ai déjà. Perle de Luce, Perle de Luce est blogueuse, mais elle n'est pas trop connue. Donc, ça que tu vois, on ne te connaissait pas. Parce que ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne. Donc, mais je faisais déjà mes directs et je parlais avec Ngosa. C'est elle qui me disait comment fonctionner. C'est elle qui me disait que va clasher tel. Quand elle m'a dit, elle et moi, ça s'est gâté quand elle m'a dit que va clasher la mère des beaux gosses. J'ai dit que je ne la connais pas. Que je vais aller la clasher comment jusqu'à elle aller chercher son profil sur TikTok. Elle m'envoie son profil non, moi, que j'aille la clasher. J'ai dit que non. Je suis quand même ravi quand même que à peine elle est sortie pour crucifier mon petit frère, beaucoup de choses sortent sur elle. Hein. Voilà comment il ne faut pas s'apprendre aux innocents. Parce que moi, quand j'ai vu la capture de camp, que la lionne a partagé, ils ont bien voulu écrire là-bas à lionne, que la lionne, bah, après j'ai eu un coup de fil que ce n'est pas mon compte, hein, je suis désolé. Quand on ne vient pas vous détourner, on peut créer, ça c'est un faux compte à mon nom, moi ce n'est pas mon compte ça. Et voilà, c'est là où on m'a dit que tu es aussi en direct, tu fais jouer. Tout là, tu dis que la fille, c'est elle qui envoie les filles venir nous insulter. C'est elle qui t'envoie, c'est elle qui envoie Marmac. Après, pour dire que les galafistes sont comme ça, pour venir mendier, porter les habits des galafistes, vous allez tous vous aligner. Ça, c'est à cause du ventre et des farotages et des méta. Mais on va pas n'oubliez pas les partenaires. Le PayPal, le Lokamenia, au bas, il y a au point FG. Je demande à ma communauté de qu'est-ce que c'est ça. Nampia. C'est là, puis moi, là, c'est la ténébreuse. Vous serez exposé comme c'est au nom du sang de Jésus. Parce que Dieu connaît les cœurs. Il va vous exposer one by one. Donc voilà qui opère dans le noir, va insulter tel. De vous allez vous placer devant les caméras. Je n'ai jamais envoyé insulter X. Je n'ai jamais envoyé insulter l'autre. Alors que vous êtes là, vous opérez en solo. C'est vous les vrais ténébreux. Il vous exposera toujours. Et je vais mettre vos noms en prière que tout le malheur de la terre arrive sur toi. Tu es très méchant, gosse pute. Bobo, il lettré. Même l'I 510 te dépasse. C'est donc qui ouvre ta large gueule. Pour insulter les gens sur Facebook. Bonsoir, ma. Bonsoir. Tu vas prendre les enfants là à l'école. Quand on a envoyé nos enfants, quand on a accompagné nos enfants à la maternelle, le CP, tu étais où? En train de carter en bas des cartes, dans l'Enganda à Paris. Tu avais nous montré. Tu as vu ma fille? Même quand elle a qu'il est levé. Tu l'as jamais levé, quand elle. Tu l'as abandonné. Si là, tu partais au Cameroun, faire les 6 mois, 4 mois. Maman. L'enfant de quelqu'un, c'est le sang, maman. Voilà ma part, méchante personne. Tu vas crever en enfer. Tu vois qu'on a peur de toi. Va faire ça au team qui ont peur de toi. Chez nous, les Mali, on a peur de personne. Oui, oui. Chez nous, les Mali, nous sommes deux, mais nous sommes violents quand il faut faire la guerre. Nous sommes violents quand il faut faire la guerre, maman. Chaque que Dieu m'a mis ma part de mini, le beauté, comme la famille m'a construit, ma prise, elle bien, qui est assise sur toi, propre. N'importe quoi. Puisqu'elle ose pour aller à ma petite, tu peux parler à ma petite sœur. Oh, madame Biaï. Tu peux parler à ma petite sœur. Comment les enfants qui ont
grandi dans les maisons que c'est un chien que sur le compte plaquait, sur lequel il vient ouvrir ça ou finir par là l'eau. Tu as vu quoi? Tu as voté, voilà qui a voulu classer les gens. Non, je n'ai jamais envoyé classer tel. Oh, gangan, gangan. Les fesses sont dehors. Fiengue, la fille, c'est fière. Je ne vais jamais aller me rabaisser, faire l'hypocrisie avec une autre cuillère parce que j'ai besoin de quelque chose. Maman, on va vous mettre au pas dans mes tables. Vous allez porter le double plus que ça. Tu as le choix. Hé, hey, te voilà. Moi, vous n'avez pas vu ces photos. Je suis marchassé sur la toile. Elles ont dit que, elle a dit carrément que je marchais avec la basse. C'est de voir photomate pourri, le corps qui a gâté, 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 un cadavre pourri vivant. Elle a dit que je marchais avec Niat. Gospit n'était pas mangé chez Niat l'autre jour. On l'a invité à étudier. Voilà le merci d'étudier. Allez prendre la photo avec les gars de la brigade anti-sardina. Partagez-moi les photos, la faire à volonté que ça arrive devant la barrière de l'étudier. Où elle avait Niat Barano et son frère, les gars de la basse. Qu'il n'y a pas quelques jours, ils sont partis chasser au président de la République et ici à Genève. Oui. Quand ils ont fini de faire le travail, ils sont partis manger avec le porc et le tarot. Et maman, la cause de 100 euros, 200 euros, maman. On va vous mettre au pas. On a que les Babliques sont les opérateurs économiques. On a le moyen financier, maman. Quand tu veux fort te prendre dans le calan, on t'attire avec là, tu tombes dans le pied. Te voilà en photo avec Kamo la Panthère et Niad Barano, qui te défend, il y a dans les pages. Parce que tu es venu, tu sais qu'ils ont agressé le père qui était à Genève des mains. Hein. Ils étaient encore dehors quand le président était là pour c'est quoi qu'il était ici là quand le président était là. Ils étaient dehors, ils étaient partout et les gars là se baladaient. Je n'ai rien contre les gars de la basse. Hein. Je raconte, c'est pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ah oui, mais pour les remercier, tu es parti t'asseoir avec eux, manger le tarot. Maman, porter le nap. Wow! Maman, le pouvoir de l'argent, vous allez vous mettre, vous allez nous saquer dans le noir. Mais dans la lumière, vous allez faire le ping pour que vous allez vous mettre au pas. Les photos là sont là. J'ai vu ça sur la page de Perles de Luxe. Elle a dit que voilà, on a commencé à dire que oh, c'est le deuil. Elle a dit que donc, quand c'était Lolo ou Flore, vous devez crier au scandale. Quand c'est pour le deuil, hein, eh, merci. Comme nous sommes les filles babiliques, en tout cas, elle parle pour moi. Hein. J'ai dit que toi. François, toi, envoie la demande. Moi, je laisse les autres parler, pardon. Bête, parle. C'est qu'elle bête. Bête, bête. Les conversations, bonsoir tout le monde, les conversations, bonsoir, Monica m'avait envoyé ça à inbox, elle me dit, ma, regarde-moi la malchance ici, j'ai lu les commentaires là, j'ai dit que non, ça c'est un montage, avant même ça, elle m'avait envoyé, c'est un commentaire que les gens ont monté, que Lolo disait qu'elle avait peur de toi, et de moi-même, Rêve m'avait montré ça, elle dit que non, Lolo ne peut pas d'abord faire ça. Vu qu'on ne cause pas avec Lolo, c'est les gens qui sont en train de monter, puisque ils sont en train de voir que tu es venu soutenir Lolo. Donc, sache que ils vont monter les choses pour vous cogner les têtes et vous séparer. Tu t'étais même fâché. Je t'ai dit, moi, je ne me fâche pas, je ne prends pas ça en considération. Parce que déjà, je ne cause pas avec Tata Lolo. À WhatsApp, toi aussi, on est ici même. Toi, tu parles même à peine. On s'appelle même à peine ici. Et pourtant, je suis ta sœur. On ne cause même. C'est quand je vois qu'on a publié un post parlant de toi, je te dis que mais qu'est-ce que tu as encore fait? Il y a quoi là-bas? Il dit que ma soeur regarde seulement. Alors je me suis étonnée ce soir. Je t'ai dit que laisse même l'affaire là. Tu m'avais déjà envoyé le montage des commentaires qu'ils ont envoyé. Il dit que laisse l'affaire, je ne voulais même pas que tu parles. Il t'a dit que tu vas aller demain au travail. Moi je suis fatiguée, il faut que je me repose. Demain matin je vais aller au travail. Tu as dit que non, demain, c'est demain que tu devais faire le live. Quand je t'ai vu en live, j'ai même fait un commentaire que pardon, ton sommeil est très important. Moi, quand je rentre du travail, je suis fatiguée. Et je t'avais dit que depuis que Tata Lola avait fait sa paix avec Flo, le reste, je m'en fous. C'est pour cela que je suis plus trop sur je ne suis plus les directs des gens. Tous les dictateurs de Lolo, moi, je me suis désabonné. Mais, toi-même, tu le sais. Moi, je ne vois pas les directs de tous ces gens-là. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne connais pas. Dans le dîner, je vais dans les directs, pas là-bas. Hier encore, quand j'ai vu qu'on a insulté Tata Lolo, c'est là où je suis sorti pour aller dans le direct de l'autre gars. Je ne veux pas citer le nom. Parce que moi, quand quelqu'un m'énerve, je ne veux même plus la suivre. Moi, ça m'a choqué. C'est là que j'ai intervenu là-bas avec les commentaires. Après cinq commentaires comme ça. J'ai dit que bon, c'est la manière qui était ici. Parce que là, moi, ma tension monte. Je risque de faire un commentaire qui va frustrer les gens. Mieux, je quitte. C'est comme ça que je suis pas, tu me connais comment je fonctionne. Je t'ai dit que laisse, il veut cogner les têtes. Et les voices que toi tu as fait, passer là pour leur dire que moi je suis ta soeur, je suis ici. Tu ne m'as jamais envoyé les voices là.
Parce que quand toi, tu étais avec une personne, tu n'aimes pas la trahir. Tu as dit que tu as les vosses. Même moi, tu ne m'as jamais même envoyé les vosses, là, même sans nudité. Même sans nudité, tu as ça. Mais tu avais dit que je ne te donne pas. Je vais montrer ça ici, là. C'est même aussi. Voilà. Tu as dit que tu ne donnes pas. Tu as dit que pourquoi, quand elle publie Tata Lolo, pourquoi tu la laisses aussi? Juste parce que ton mari était venu gronder. S'il avait gronder, dit que non, ne fais pas ça. Parce que tu es tellement énervé. Tu sais que je t'avais dit que non, elle ne peut pas publier, parler de la nudité de Tata Lolo. On ne sait pas. Moi, je n'aime pas comme ça. Tu as dit que ma laisse. Tu m'as dit que quand toi, tu te fâches, tu veux seulement que ce que je te dis, c'est ça que tu dois faire. Je dis que non, moi, ça me choque. Moi, je n'aime pas comme ça. Là. Alors que les gens sachent que Monica ne parle pas. Monica ne parle pas. Même avec moi ici, on ne pose même pas les trucs comme ça. Quand je vois qu'on a publié, on va les détacher. C'est pas qu'on l'accuse, c'est par rapport au boss. On n'a pas dit qu'elle parle. On a dit que par rapport. Elle-même, elle a avoué qu'elle communiquait avec la fille avant. Donc, c'est pas un problème. Oui. Elle m'avait, mais parfois elle publiait ses directs, non. Elle avait publié ses directs une fois, un de ses directs comme ça là. Et puis elle m'a appelé, Monica m'a appelé, dit que ma, tu vois les appels de ma. Elle a publié, elle a partagé mon direct. Je fais comme elle dit que fais vu ignorer. C'était pour les parfums. Là où elle disait que c'était pour. Je t'avais dit non, bête. Là oui. Où elle disait que il faut qu'elle était venue parler de mes sangs. Et dit que elle aimait le monsieur là et elle ne savait pas comment. Je vais chercher les enregistrements là en ça. Facebook va prendre le feu de Dieu. J'attends dit que moi, j'ai dit que fais vu et ignorer même. Ne like rien. Quitter, c'est quitter. Tu l'as abandonné là-bas, laisse-la là-bas. Même si elle publie, toi, faut même pas liker. Tu la laisses là-bas. Ne fonctionne plus avec elle là-bas. Comme ça, elle te fait les appels de bas parce que quand elle va partager des directs, elle croit que peut-être tu seras touché, tu vas aller là. Elle dit que ne like rien. Laisse-la là-bas. Je t'avais dit. Donc, moi, les faux trucs comme ça là, moi, je t'ai dit que va dormir, tout ça. Tu sais que Meta, c'est comme ça, non? Non, le fonctionnement de Meta, c'est comme ça. Le problème, c'est que ça salit aussi sa réputation. C'était bien comme elle a fait une sortie pour éclaircir les choses et mettre les voix. On attend que ça continue à appeler les gens les graphistes. Mais pour venir dire après, elle dit que c'est Messan qui est écribaliste. Alors qu'elle m'a utilisé les mêmes propos. Donc, elle vient accuser le monsieur de truie. C'est pas bien. Moi, je trouve qu'elle a bien fait de mettre les voix. Oui, comme tu dis, Tata Lolo, moi, cette fille-là. Tu sais, quand vous dites souvent que la personne ne parle pas, dans les derniers, ils ont passé le temps ici, elle dit, tu vas m'appeler télébreuse. Alors qu'elles ont écouté les voix de cette gospute, gosse-chienne, gosse 1, 2, égale 23. C'est Coco qui est en train d'opérer. Mais ils ont fait vue ignorer. Déjà que non, la solidarité, alors que la vérité était en face d'eux. Après, on a encore écouté les voix chez Messan. Entre les points, en tant que la femme de Messan dit que tu m'as dit de ne plus clasher. Non, moi, il n'est plus clasher, mais clasher. Mais pour venir dire que c'est lui qui l'a envoyé. Alors qu'on entend bien comment elle m'a dit que vous m'avez dit de ne plus clasher, je ne vais plus clasher. Voici encore une autre voix, on l'entend en train de commanditer le clash sur les gens dans les réseaux sociaux. Et dit que Marmar a changé. C'est comme ça qu'elle a envoyé Marmar, devenir insulter les mamans des gens, devenir insulter les enfants des gens. Bien sûr, que ma marque a été dévoilée aux yeux de tous. Et vraiment, je remercie le Seigneur d'avoir changé son corps, son cœur. Aujourd'hui, elle s'est repentie, un enfant de Christ, et qu'elle reste dans sa lancée. Qu'elle ne change pas, qu'on ne suis pas là de tourner pour venir salir son nom sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'un temps, il faut s'arrêter. Moi, elle dit, je ne clash plus. Je regarde, mais je tenais quand même en temps le direct de Monica Diaz pour dire à Monica Diaz que ce n'est jamais moi. Et que la guerre qu'elle avait avec les maths, Pondi et Sylvie tenait pardon à mon nom qu'elle arrête. Parce que moi, je n'ai pas caché avec non, les gens. Ce n'est pas ton nom, Emma. Non, ne prends pas ça comme non, si c'est à ton nom. Non. Monica, non. Je n'ai pas dit que c'est à moi. Je dis que à mon nom, pour le respect qu'il y a entre moi, maman, pardon. Je t'en supplie, maman. Nous sommes en famille. Dieu nous a fait grâce. On est encore vivant là. On mange, on vit, profitons de la vie. Laissons les clashs inutiles. Je t'en supplie, maman. Laisse ces deux grandes dames là. On peut dire qu'il y a des malentendus partout, ma chérie. Tu sais, je t'aime beaucoup. C'était bien parce que toi et moi, on n'a jamais parlé. Les gens parlent de nos arguments. Quand les gens veulent cogner les têtes des gens. Ah non. On parle de nos arguments. On parle de nos choses qu'on fait. Voilà, tu m'as offert beaucoup de choses. Tu as pensé à moi étant là-bas en Italie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, même à Bête qui est là, que tu as offert quelque chose. Non, quand jamais. La première fois là-bas au chalet, elle m'a apporté un costume que j'ai même porté. Quand j'étais en Allemagne, j'ai Monica, est-ce que les gens te connaissent mal? Monica ne parle pas. Celle que tu vois là. Parfois, c'est moi qui la
Et je lui dis que mais une semaine même comme ça, ma petite soeur, tu ne m'appelles même pas. Elle est comme ça. Et elle fait attention aux gens sur Facebook. Les gens l'écrivent à inbox, elle m'envoie tout, elle capture, elle dit que ma... L'autre aussi, elle m'écrit, est-ce que nous sommes amis sur Facebook? Elle bloque, parce qu'elle ne veut pas les problèmes avec les gens. Sinon, elle allait avoir beaucoup d'amis sur Facebook. Mais Monique, qu'est-ce qui se passe avant que tu aies sorti toutes ces choses-là? Non, c'est parce qu'elles sont venues mentir à ton nom, non. Pourquoi elles ne doivent pas sortir? Attends un peu, on te salit et moi, je connais la vérité, je reste tranquillement. Toi-même, tu penses que c'est normal? Parce que on a montré que vous vous conversez, non, non. Inbox. Dis-moi un peu, ma. C'est parce que je suis venue te supporter. On te salit et je reste tranquillement. Et les captures qu'on a encore envoyées pour dire que vous causez ensemble, c'est ça qui l'a énervé. Et pour dire que moi, je cause avec toi. J'ai dit que si tu reconnais les captures, là, tu viens dire la vérité. Mais si tu ne reconnais pas ça, on t'engosse et ça bande. Je suis en train de chercher tes lasses, Ngosa. Moi, j'ai dit à Monica, j'ai dit à Monica que Tata, ce n'est pas Tata Lolo. Ça, c'est les montages. Ce n'est pas Tata Lolo. Ce n'est pas Tata Lolo. C'est les montages. C'est pourquoi il était amené les problèmes. Non, les gens cherchent les buzz. Quand il n'y a rien, on montre quelque chose, on dépose sur Facebook. Et Facebook s'enflamme. C'est comme ça. Vous croyez que les gens vont vivre sur quoi? C'est avec ça. Le buzz, le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Moi, depuis que Tata Lolo a fait ça, je me suis. C'est qui ici, l'angoisse? Retiré. Bon, ça voici, t'es las. Je vais te traiter. Attends. Je me suis désabonné. Non, mais je vais te montrer que j'étais las et je vais vendre ça, je vais faire cela, la vente aux enchères. Te voici, là. Ngosa. Je vais te traiter ta vidéo, une bonne vidéo là où tu. Je vais te montrer que pas seulement ce que tu montres sur les réseaux sociaux là. Je vais poster ça. Je dis que je vais balancer ça comme les arachides. C'est toi qui es star. Moi, je ne suis pas star. Hein. C'est toi qui as un nom. Moi, je n'ai pas de nom. Oh. Je vais te traîner dans la boue. Et tu vas sortir les voices là où tu disais que, hein, là où tu as, les voices que tu as promis à Christian de Monaco, le Nchele, hein, tu vas sortir ça. Parce que j'ai là où tu te moques même de Mpoum Kena. Je vais mettre tout ça où? Je vais mettre tout ça, tu me connais mal. Moi, on ne me prend pas au chantage, on ne me menace pas. Le chantage est moi, regarde-moi très bien. Le chantage et moi, ça ne marche pas. Je vais te descendre. Je dis que plus bas comme ça là que t'es. Je vais te descendre. Le cœur que, le mauvais cœur que tu as là. Regarde tout mon corps. C'est mon cœur qui a pris mon corps. Et je vais te montrer que j'ai un mauvais cœur 100 000 fois que toi. Tu me connais très mal. Quand on dit que le diable, quand tu vas dire que le diable, tu vas rester comme ça, sursauter. Quand tu vas entendre le nom de Monica, moi, tu me connais très mal, vendeuse de piment. Ne sors pas tous les balles. Ne sors pas tous les balles. Non, je ne sors pas tous les balles. Christian de Monaco, venez en guerre. Venez en quête, je vous attends. Je suis pied ferme. Je suis pied ferme. Venez en quête, je vous attends. Ce n'est pas les bébés. N'allez pas mentir. C'est Ngosa qui a créé ce faux profil. Ngosa. C'est Ngosa et sa bande parce qu'elle m'a envoyé clasher la mère des beaux que j'ai refusé. Ngosa, tu n'as rien sur moi. Tu n'as rien sur moi, Mbukosa. Moi, j'ai beaucoup sur toi. Tu n'as rien. Bon, Mbukosa n'a rien sur moi, ma. Moi, j'ai beaucoup sur elle. Tu fais trop attention. Les gens ne te connaissent même pas. Je dis que Mbukosa n'a rien sur moi, ma. J'ai beaucoup sur toi, Mbukosa. Beaucoup. Que de toi-même. Je vais sortir là où tu m'as dit que tu allais pratiquer Achille et toi. Parce que ton frère voulait envoyer aussi son enfant en Europe. Donc, les enfants-là devraient arriver en Europe en deux. Toi et Achille, vous êtes allés pratiquer pour que l'enfant de ton frère reste
égaro entre. Je vais te montrer que je suis le diable en personne. Sale chose. Mon égaro, tu vas aller au travail demain. Moi, je vais dormir, pardon. Ngosa, ça pas te voici. Je vais te montrer. Ngibe me longue. Me munda we. Bo mura. Emenye. Son kwetu de njansan. Coupé direct. Mais Jean. Coupé. Demain non. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Je vais te montrer que le mauvais cœur là, ça vient chez moi. Ça pas. Christian de Monaco vient en guerre et sort les voix. Sors les voix parce que je vais vous mettre à terre. D'accord? Sors les voix parce que moi, Monica, je vais vous mettre au sol. C'est eux qui t'ont cherché. J'ai trop de balles. Ngosa, voleuse des bouteilles de gaz. Est-ce que tu as dit aux gens le pourquoi tu as fui le Cameroun? Le pourquoi ta mère t'a fait fuir le Cameroun? Ton collègue du vol qui est mort. Est-ce que tu as dit ça aux gens? J'ai dit que j'ai trop sur toi. Tu n'as rien contre moi, à part les fabrications de mensonges et tout. Je suis assise au sol, et mes chaussures. J'ai dit que ce que j'ai même donné, l'autre monde ne doit pas savoir, il ne compte pas. Je ne dis pas ce qui était donné, mais toi et moi là, comme tu veux mentir, tu veux venir manipuler, je vais te montrer que tu es dans le blog depuis et c'est moi qui va. J'ai dit que je vais prendre le couteau, te mettre ça comme ça là sur la poitrine, que boum, et tu vas confirmer. C'est de ça qu'il s'agit. Il est l'heure que les TKO viennent en guerre. Je vous attends, hein. Je vous attends. Interdit de signaler les pages des gens. Interdit de signaler les pages des gens. Interdit. Dis, ma mère Lolo, ce que tu as parlé, pour l'amour que j'ai pour toi, je laisse l'affaire de Moula. Mais, pour Angosa, ça reste entre toi et moi. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es ma cible. Ma cible. Oh, et fort. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.